après la première année que je fais à Consmar Rangers, je dois signer au PSG. Le Qataris achète le club, je suis le premier joueur qui doit signer au PSG. Mon agent m'appelle, il me dit, oh, ça te dit Paris? Et il me parle du projet et tout, je dis, vas-y, on y va, tu vois. Hop, je monte dans la suite du chien. Il me dit, t'es le premier joueur arabe que je veux dans mon équipe. Il me dit, par contre, ça va prendre un peu du temps parce qu'on va ramener Leonardo. Je repars en Angleterre, il m'appelle. Dès qu'il m'appelle, je le sens qu'il est pas chaud, tu vois. Il me dit, alors et tout, tu veux vraiment venir à Paris et tout? Et j'appelle mon agent, je dis, je l'ai pas senti, moi, Leonardo. Après, tac et tout, il m'appelle et tout. Il commence à me dire, il dit à mon agent, ouais, mais on va payer quand même 12 millions d'euros. 12 millions d'euros pour un joueur qui a fait qu'une année en championship, tu vois, c'est cher et tout. Comment je dis à mon agent, écoute, maintenant on s'est mis en difficulté, tu vois. Parce que moi je vais au club, à Consmar Rangers, je dis ça y est, je pars, je suis le capitaine de l'équipe, tu vois. Ça veut dire tout le monde le sait et tout, ça veut dire ça y est là, si ça se fait pas, tu perds le brassard, les gens ils te voient plus de la même façon, tu vas à Londres, comme sur Nasser. Je dis t'inquiète, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Moi, je suis prêt à venir au PSG et tout ça et tout. À la fin, l'autre il a tout fait sauter l'affaire. Il dit 12 millions pour moi c'est cher, il va prendre Verratti, il va être même plus cher que moi. J'ai senti qu'il voulait